Joyce, laisse-moi. Oh, Joyce, je t'ai déjà dit. Genre, je parle sur le thé, a dit, je ne retourne plus là-bas. Ouais. Tu montes, tu descends, je ne retourne plus là-bas. Pardon, tu crois que le pardon, elle va faire quoi? Le deal était très simple. On arrive au marché, on achète le plantain de 1000 francs et quelques ingrédients avec lesquels on va préparer. Nous sommes sortis à 10h. Tu as dit qu'il faudrait qu'on aille rendre visite à ta tante. Il a dit que, ok, bon, ta tante, c'est ma tante. On va certainement faire 30 à 40 minutes là-bas. On arrive chez ta tante, à ma grande surprise. On se retrouve en train de peler un sac de pommes. Joyce, ta tante avait besoin des manœuvres. Ouais. Bon, ça m'a juste un peu dérangé. Ça ne m'a même pas trop dérangé. On finit de peler les pommes. Avec ta puberté, ta dive, tu ouvres ta bouche, tu dis comme quoi. Tu as mangé les pommes que tu as pelées là. Non, tu l'as pas mangé. Il a dit que, ok, ça, c'est toujours passable parce que nous sommes en train d'aller au marché acheter nos nourritures pour préparer dans nos mamites. Eh ben ouais. Sur le chemin du marché, tu te rappelles d'une de tes camarades qui a accouché. Et tu dis qu'il faudrait qu'on aille rendre visite à ta camarade. Et comme moi, je suis un gars aussi normal comme tous les autres gars, il dit qu'il ne veut pas qu'on me hante dans la nuit parce qu'on n'est pas allé rendre visite à une de tes camarades. On est arrivé chez ta camarade. On est finalement arrivé au marché. On arrive au marché, Joyce. Quand je parle, tu fermes ta bouche. On arrive au marché, tu te mets à mesurer toutes les chaussures et les habits qui se trouvent au marché. Tu as l'argent pour acheter les chaussures que tu étais en train de mesurer là. Tu as l'argent pour acheter les habits que tu mesurais là. Même jusque là, ça m'a juste un peu dérangé. Le temps que tu étais en train de tasser les habits que tu n'allais jamais acheter là, tu pouvais bien me remettre l'argent pour que j'aille au moins s'acheter le plantain. Mais non, Madame monopolisait tout, même mon argent. Voilà maintenant dans ta quête de taxage et de mesurage, nous voici de retour à la maison, sans plantain, sans condiment. Et tu me demandes encore de retourner là-bas. Joyce, je ne retourne plus au marché. Tu vois, c'est moi, il y a le pouce, non. Tu vas louer un pouce pour me tirer au marché avec. Je ne pars plus là-bas. Mince. Et tu es fier. Et je dois manger. Si tu n'étais pas là, tu ne pouvais pas manger. Eh, ma fille, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Et je te rappelle, je dois manger aujourd'hui. J'ai l'impression que tu as choisi uniquement ce jour pour me torturer. On peut aller acheter ce qu'on va manger. Je ne retourne. Bon, s'il y a un autre marché à proximité, on peut aller là-bas. Mais si c'est retourner dans le marché que tu m'as amené là-bas, là, on m'a remarqué. On pouvait m'acheter une fois. On m'a déjà remarqué. On m'a déjà remarqué au marché là. Je ne peux plus aller là-bas. C'est maintenant que je comprends. Donc, quand je t'envoie souvent à 10h, tu pars, tu rentres à 15h là. C'est ça que tu passes ton temps au marché à faire. Coucou! Ça veut dire que tu es un star, hein? Oh, il te faudra créer ta page Facebook. La fille qui taxe les habits et les chaussures au marché officiel. Non, tu auras les followers. Déjà, j'ai vu que tu saluais tout le monde au marché. Tu auras les followers. Mais avant ça, non, il me faut manger aujourd'hui. Joyce, j'ai faim. J'ai très faim, mais je veux manger le plantain. Peu importe ce qui se passe, il n'y a que le plantain. Débrouille-toi. Débrouille-toi. Je ne parle pas moi quelque part. Débrouille-toi. Mais. Je n'ai pas pu. On m'a remarqué au marché. Si c'est ça que tu fais chaque jour, non. Aujourd'hui, non. Tu as choisi un très très mauvais jour pour m'amener au marché. Non, mais ça ensemble, non. Oh, oui, moi, regarde. Allez, quitte là. Hey, prends le salut. Prends ça, prends. Voisine. Bonjour, voisine. Comment tu vas? C'est qui comme ça? Oh, nouveau voisin, c'est ça. Hein? Tu connais bien les nouveaux voisins. Voisin? Oui, voisine. Tu pars où comme ça? J'arrive au marché là. Tu m'accompagnes? Oui. Lui, que quoi? Passe comme ça. Tu avais prévu aller au marché avec lui. Je ne vais pas appeler au marché. Tu es parti, tu pars. Laisse-moi et ma femme. Eh, hey, pas. En passant, je m'en avance à lui. J'étais jaloux. Jaloux, bambi, dis-moi. Fais-moi le sac là. Je n'ai pas peur pour toi, c'est parce que j'ai faim. Laisse-moi. Chérie, au marché, tu l'entends le temps et moi. Tu vois que tu avais accepté depuis ce qu'on est parti jusqu'à rentrer. Ah. Tu vas encore revenir sur le sujet. Tu vois que si tu ne t'arrêtais pas au marché, tu visitais tout le marché. Ce qu'on est parti, rentrer, préparer, laver les assiettes. Non, manger d'abord, laver les assiettes et dormir. Mais non.
Voilà. Le matin, tu as commencé chez ta tante. Tu connais mon oncle qui était mort là. On va aussi aller lui rendre visite. Le marché d'aujourd'hui sera doux.